Im Moment sind es etwa 20 Armbrüste pro Jahr. Und begonnen hat die ganze Sache, mein Vater hat an einem Wettkampf eine Armbrust gewonnen, war nicht zufrieden damit und hat die verändert. Schwierig zu sagen, weil erstens mal wird die Armbrust der Schweiz zugeordnet, obwohl sie in China entwickelt wurde. Das andere ist, in der Schweiz hat es Regionen gegeben, da war Armbrustschießen vormilitärische Ausbildung in den Abschlussklassen der Schule. Le tridimètre a une certaine dimension, il a un diamètre de 11 mm. On se demande si on pourrait l'augmenter ou le diminuer, mais c'est pas bien, c'est justement fait pour pouvoir le sortir à la main. Il y a donc un petit cylindre qui fait une épaisseur, un diamètre de 4,5 mm et une profondeur de 15 mm. Le 30 mètres est un peu plus grand puisqu'il faut qu'il soit un peu plus costaud puisque l'arbalète match 30 mètres est un peu plus costaud, plus rapide. Donc, et c'est surtout la vitesse. Un trait à 10 mètres vole environ à 45 mètres seconde. Le trait du 30 mètres vole à environ 60 mètres seconde. Il y a deux possibilités de traits. Ils peuvent être en bois ou alors en carbone. Le carbone étant un peu plus léger mais un peu plus cher à l'achat. Postentwickeln ist ein hochgradiges Problem, Wirkungsgrad verbessern. Wirkungsgrad verbessern heißt, mit weniger Kraft gleiche Geschwindigkeiten beim Pfeilabschuss zu erzielen. Also, wir haben viele Armbrüste im Einsatz, die sind 20, 30 Jahre alt, die schießen exakt, das ist kein Problem. Aber die Entwicklung hat natürlich nicht standgehalten, also elektronische Abzüge sind gekommen, Kohlefaserbögen und so weiter. Und ein wichtiges Element ist noch der Pfeil. Wir verschießen ja immer denselben Pfeil in einem Wettkampf. Chaque trait vole différemment, donc si vous prenez d'autres traits, il faudra cliquer, il faudra réduire, parce qu'il n'ira pas au même endroit. Donc alors l'histoire qu'on a faire, c'est de prendre plusieurs traits et de les essayer à l'entraînement. Pour pouvoir avoir un trait de rechange ou deux qui sont à peu près dans la même zone que le trait fétiche, on va dire. Le support est donc en plomb. Tout ça pour avaler facilement le trait qui doit pénétrer environ, vous verrez qu'au 30 mètres, il rentre pratiquement de 1 cm. Il va découper l'impact et c'est donc plus facile à ressortir dans du plomb. Par exemple, si vous atteignez le bois, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à le retirer. Les traits en vol ne fluctuent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'ondulation puisque c'est assez direct. Il y a une petite courbe balistique en hauteur vers le bas qui n'est pas très déformée puisque c'est un gage d'imprécision si vous allez trop vite.